Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Animal Crossing New Leaf, un tutoriel qui vous permettra de débloquer tous vos projets dans votre ville. Je tiens cependant à mettre des guillemets sur tous, car en fait chaque projet est décidé par le caractère des habitants, et chaque caractère propose un certain nombre de projets. Je vous donne les informations en barre d'infos pour regarder quel habitant a son caractère et quel projet il va vous débloquer. Très bien, commençons. Pour ce faire, il va vous falloir un maillot de bain, avoir moins de 100 clochettes sur soi et tout autre équipement possible, outil, et remplir ses poches de fleurs, entièrement de fleurs. Commençons par l'étape numéro 1. Prenez votre maillot de bain et équipez-vous-en. Bien sûr, enlevez tout ce qui est outil, hein. Pelle, lance-pierre, tout. Étape numéro 2, allez remplir votre inventaire des fleurs, n'importe lesquelles, il faut juste que ça remplisse toutes les cases de votre inventaire. Voilà, on passe à la 3. Étape numéro 3, il vous suffit de vous rendre dans l'océan et d'aller le plus loin possible dans un coin de la carte, jusqu'au maximum où vous pouvez aller, là où vous serez bloqué par les bouées. Une fois arrivé dans ce coin, il faut attendre minimum 5 minutes. Sur l'écran, vous voyez 17 minutes. Il va falloir attendre donc jusqu'à 22. Voilà, les 5 minutes sont passées. On retourne tranquillement dans notre ville. Et on va faire le tour de la ville afin de rencontrer le regard d'un autre habitant. Celui-ci devrait vous interpeller s'il a quelque chose à vous dire. Et il y a forcément un habitant dans votre ville qui va vous interpeller obligatoirement. Voilà, on se fait interpeller. Cependant, il faut savoir que quand on se fait interpeller, ce n'est pas forcément un projet qu'on va nous proposer. Il y a plusieurs possibilités. Soit on vous propose un projet, soit on vous dit que l'habitant en question va déménager, soit il veut changer de salutation, soit il veut vous demander un petit service. Un petit service du genre « Comment vous me trouvez ? Est-ce que vous me trouvez mieux comme ça ?» etc. Si c'est le cas, retournez dans l'océan, remettez-vous dans un coin de la carte, comme on avait fait près des bouées, et réattendez 5 minutes. Ça peut prendre un peu de temps, il faut donc pas être impatient. Comme par exemple ici, Gaston qui nous propose une cloche japonaise. Voilà, tutoriel réussi. Je peux vous expliquer pourquoi on remplit son inventaire de fleurs, c'est tout simplement pour pas que les habitants nous proposent d'acheter un de nos objets dans notre inventaire. Les fleurs, ils ne les achètent pas. Pareil pour les clochettes, si vous en avez moins de 100, les habitants vont pas vous proposer de leur acheter quelque chose, de vous vendre en fait. C'est pour ça. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez, comme moi, connu une façon d'avoir des projets plus facilement, car j'étais vraiment dans la galère. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit tutoriel. On se retrouve, nous, sur d'autres vidéos. Allez, salut !